Alors d'abord, la première chose qui m'intéresse, c'est que j'aime faire des photos et j'aime photographier des gens. Mon premier intérêt, c'est le plaisir que j'ai à photographier les gens. J'ai très longtemps photographié des paysages, j'ai été dans le monde entier, mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui, je suis plus intéressé par photographier des visages que des paysages. Je trouve qu'il y a de l'émotion, il y a une vérité. Tu peux te mettre tes jambes comme ça si tu veux. Voilà, voilà, comme ça, c'est bien. Voilà. Et alors, on peut le mettre au... ouais, c'est marrant, c'est sympa comme ça. Pratiquement 5 personnes à plein temps qui s'occupent de faire venir les gens, d'envoyer les photos, préparer les autorisations. Voilà, c'est tout un travail un peu compliqué, mais on y arrive. Et en tout cas, c'est une équipe. C'est aussi quand tu es photographe, tu travailles souvent tout seul. Et là, c'est vraiment un travail d'équipe et j'adore. C'est ce que le cinéma m'a appris. Le cinéma, c'est les grosses équipes et j'adore travailler en équipe. Bon, il y a la dame qui nous est installée par rapport aux photos. Elle nous est... mis chacun dans une position et autre. Et puis, franchement, la photo a été impeccable. Envoyez-moi de l'amour. Bon, quand je l'ai vue, franchement, moi, j'étais une star. J'étais la plus fashion. Franchement, j'ai aimé. Je regarde ma casquette. Pourquoi je le fais? D'abord parce que j'aime faire des photos et j'aime les gens. Et plus ça va, plus en vieillissant, j'aime de plus en plus les gens. Et donc, ça me relie à une humanité. Je trouve qu'on vit dans un monde assez méchant, assez tendu. Ça me fait du bien de voir des gens qui, beaucoup de gens qui font des choses pour les autres, beaucoup d'associations, ça aussi c'est important. Mettre en avant les gens qui font plus. On a trouvé l'initiative très intéressante de montrer une image des Français en 2024 dans la diversité de leur situation et on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une image aussi de l'agriculture. Attention, et souris, souris, je veux voir tes dents. En tout cas, pour la photo, bah, c'est du coaching, on va dire ça comme ça. Et puis bon, c'est vrai que Yann Arthus Bertrand est très connu, donc c'est un peu impressionnant. Ce que j'aime, en fin de compte, dans une photo, c'est l'émotion. Quelle émotion? Elle peut être artistiquement très belle, c'est-à-dire qu'immédiatement, tu comprends que c'est la photo. Ou simplement, ce que tu photographies t'amène l'émotion. Je racontais l'autre jour que la photo la plus émouvante que j'ai faite dernièrement, c'était une femme qui est venue avec 2 enfants autistes et qui avait peur d'aller sur la bâche. Et pendant une heure, elle a essayé de leur expliquer avec la patience, avec de l'amour, de l'amener sur la bâche. Et je pleurais d'émotion de voir cette dame, comme l'amour elle donnait à ses enfants, qui étaient des enfants compliqués. Et quand tu arrives à comprendre ça, à saisir ça, bah, tu deviens plus riche. Tu as grandi un petit peu, quoi. Tu as compris des choses.